Lève le genou, vas-y, 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 vas-y. Il y a aussi des beaux, Eric. Hein? Ah non, pas, eh, pas plus beau que moi quand même. Oh, toi, t'es beau, Eric. Quand il est arrivé il y a 7-8 ans sur la section, c'est une section qui avait beaucoup, beaucoup de mal à démarrer. Et il a réussi à impulser cette section rugby. J'aime chez Jacques l'énergie qu'il met dans ses actions, l'énergie qu'il met, la facilité qu'il a à fédérer et les joueurs, on le voit quand ils arrivent sur le terrain pour l'entraînement, vont tous se saluer, Jacques, comment ça va, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui a quand même qui a des grosses facilités donc à former ce groupe, à le faire vivre. Les appuis, paf, 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 paf. Allez Titi, Fafa, Nini. On m'a demandé de venir sur le sport adapté. Donc pour moi c'est de l'inconnu. Et donc j'ai démarré pendant 2 ans 5-6 personnes. Et petit à petit je suis parti dans les IME, instituts médicalisés. Et puis voilà, le dialogue. Là. Et petit à petit les jeunes, ils ont fait confiance. Et voilà. Et puis et à force d'y aller, et c'est venu comme ça. Voilà. Finalement, je retrouve mon bonheur. Finalement. On a l'impression que nous amenons quelque chose, finalement c'est le contraire, c'est eux qui donnent la joie de vivre. C'est eux qui stimulent tout le monde, et ne serait-ce que déjà de voir un peu les parents qui sont autour, la preuve de voir des gens ordinaires d'une entreprise qui viennent jouer avec ces jeunes-là. Donc ce que je dis, il n'y a pas de frontière. C'est nous-mêmes, on se met une frontière, mais il n'y a pas de frontière. C'est, je sais pas, moi, c'est, on en sort de là, c'est une bouffée d'oxygène.